Avec l'application mobile Vuri TV, vous pouvez regarder les meilleurs films et séries camerounais et africains du moment. L'application mobile Vuri TV est disponible en téléchargement gratuit sur Play Store et Apple Store. Monsieur Robert Tientje, acceptez-vous de prendre ici présente comme épouse mademoiselle Christine Nono, de la chérir, de la respecter, de vous occuper d'elle dans le malheur comme dans le bonheur, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, monsieur le maire, j'accepte. Mademoiselle Christine Nono, acceptez-vous de prendre ici présent comme époux monsieur Robert Tientje, de le chérir, de le respecter, de vous occuper de lui dans le malheur comme dans le bonheur, jusqu'à ce que la mort vous sépare, 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 jusqu'à ce que la mort vous sépare. Que se passe-t-il, chérie? Mon amour, si j'étais offensé, pardonne-moi. Je n'aime pas te voir dans cet état. Ce n'est pas de ta faute. Mais... Mais quoi, Christine? On a laissé le maire et les invités. Et tu me dis que ce n'est pas ma faute? Dis-moi donc ce qui se passe. Je suis perdue. Écoute, chérie. Retournons auprès de nos invités. C'était juste un petit moment de malaise. Tu sais, le fait de savoir que je vais devenir Madame Robert Tientje, ça me remplit d'émotion. Christine, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas née de la dernière pluie non plus. Je te connais très bien et je sais que ce n'est pas ça qui te met dans cet état. Est-ce que tu m'aimes? Mais quelle question! Mon amour, tu sais que tu es tout pour moi. Alors, monsieur Tientje, faut arrêter ces doutes stupides me concernant et amenez-moi plutôt devant monsieur le maire pour faire de moi votre femme pour la vie. Acceptez-vous de prendre ici présent comme époux monsieur Robert Tientje? Oui, monsieur le maire, j'accepte. Au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Surprise! Mais dis, tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Non, non. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la cuisine pour ma ravissante épouse. Waouh! Quel homme romantique! Ah, désolée, j'ai pas fait les présentations. Chérie, je te présente Tryphène, c'est ma... copine. Vous étiez au mariage de quoi? Oui, monsieur. Enchantée, madame. Hein? Avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est mademoiselle. Ah, je suis sincèrement désolée. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous marier? Ok, chérie, toi aussi. On rigole un peu, regarde. Ah, laisse ça. Allez, on vous dépose, Tryphène? Avec plaisir. Allez, tout le monde dans la voiture. Merci.
Dis-moi chérie, Lynn est déjà endormie? Oui, mon poussin. Qu'a-t-elle mangé avant de dormir? Ne te fais pas de soucis pour elle. Tu sais que sa nourriture ne manque jamais. Tu as raison. Mmh. Il est pas mal, hein? Quoi, il est ça? Très bon ton repas, chérie. Qu'est-ce que tu croyais? Vous, les femmes, vous aimez nous ridiculiser comme si on ne savait rien en matière de cuisine. Monsieur Tianchu, je ne vous ai pas donné l'occasion de nous insulter. Dans ce domaine, la femme reste et demeure la meilleure. Tu es sûr de ce que tu racontes là? Dans ce cas, faisons un pari. Je suis sûr que je gagnerai. Et qu'est-ce que vous pariez? Madame, je parie ce que vous décidez. C'est vous qui avez prononcé le mot pari. Alors, décidez et moi, je m'aligne. D'accord. Le gagnant reçoit 10 bisous de la part du perdant. Et je suis sûr que je sortirai vainqueur de ce challenge. Alors là, monsieur, vous pouvez toujours rêver. C'est ce qu'on verra. Je suis très fier de t'avoir à mes côtés. Je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde. Merci, mon amour. C'est moi qui te dis merci. Non. Oh mon Dieu. Non. Au secours. Oh mon Dieu. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi. Non. C'est moi. Calme-toi, c'est Robert. Ça va aller, ça va. Écoute Christine, je suis fatigué de ça, ok? Tu vas me dire enfin ce qui ne va pas dans ta vie? Oh mon Dieu, aidez-moi. Comment veux-tu que Dieu te vienne en aide quand tu es incapable de faire confiance à ton mari? J'ai épousé un fantôme ou quoi? Chérie... C'est trop difficile. Tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qui est difficile? Qui veut peu, non? C'est pas ce qu'on a l'habitude de dire. C'est exact. Mais pas dans tous les cas. Ok, dans ce cas, reste avec ton fameux secret, hein? Mais non, chérie. Tu vas où? S'il te plaît, reste avec moi. Je suis en train de te dire que tant que tu continues à garder ton secret, je ne dormirai plus sur ce lit. Chérie, ne me laisse pas, s'il te plaît. Serre-moi dans tes bras, je t'en prie. J'en ai besoin. Mon poussin, pourquoi tu ne m'as pas réveillé pour que je fasse comme d'habitude? Mais, chérie, parle-moi.
Christine. Oui, chérie. Qui suis-je pour toi? Mais, quelle question. Mon mari, bien sûr. Qui es-tu pour moi? Robert, je ne comprends pas. Réponds tout simplement à la question, s'il te plaît. Chérie, tu me fais peur. Il n'y a pas de peur qui tienne, madame. Nous sommes en train de discuter, c'est tout. Tu es mon mari. À ce que je sache, il est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme et tous deux ne formeront qu'une seule chair. Oui, c'est exact. Et pourquoi tu ne veux pas me prendre ainsi? Pourquoi tu ne veux pas me prendre comme ta propre chair, madame? Mais, Robert... Tu n'as rien à dire. Je suis fatigué, fatigué. Je te le dis depuis quelques jours. Si tu es un fantôme, retourne d'où tu viens. Parce que moi, je suis un être humain. Et je suis bien vivant. Ok? Non. Robert, mon chéri. Robert, mon chéri, s'il te plaît, reviens. Robert. Robert, mon chéri. Robert. Robert. Robert, non, ne fais pas ça. Robert. Tryphène. Je suis finie. Comment ça, tu es finie? Robert ne s'intéresse plus à moi. Quoi? Je savais. Tous les hommes sont pareils. Je t'avais pourtant demandé si c'était bien réfléchi de ta part. Oh que oui, tu l'as dit. Parce que tu étais amoureuse. Voilà donc ce qui t'arrive. Il n'a rien fait de mal. Comment ça? C'est mon passé qui me rattrape. Le jeudi noir que je connais. C'est bien ça. Si Robert me quitte, je préfère mourir. Ne dis pas ça. Personne ne doit mourir. Mais Christine, je t'avais pourtant demandé de dire toute la vérité à Robert. Mais non, puisque je t'ai dit que c'est trop difficile, je ne peux pas le faire. Calme-toi, Christine. On verra ce qu'il y a lieu de faire. Christine! 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 Mais je ne suis pas content de toi quand même. Hein? Ah bon? Et pourquoi donc? Tu n'étais pas à mon mariage. Oh là là! Mais toi aussi. En fait, j'avais un séminaire au Canada durant cette période. Ok. Tu es sûr que tu n'étais pas plutôt à Copacabana avec Rachel que je connais là? Oh là là! Elle est bien bonne celle-là. Mais non, mais non. En fait, j'étais à un séminaire sur le paludisme. Et vraiment, il était très enrichissant. En tout cas, bon retour au pays. Je t'offre quand même un verre. Hein. Tu n'étais pas à mon mariage, mais tu restes et demeures mon ami. Mon cher Tala. Je suis vraiment très préoccupé par la situation qui prévaut dans ma maison depuis un certain temps. De quelle situation parles-tu? Il s'agit de Christine, bien sûr. J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Attends, Robert. Pourquoi parles-tu ainsi de ta femme? Tu ne lui fais plus confiance? Si, bien sûr. Mais figure-toi que toutes les nuits, elle fait des cauchemars. Et quand je lui demande ce qui se passe, elle me sort toujours la même rengaine. Chérie, c'est difficile à expliquer. J'ai l'impression que je vis avec un fantôme à la maison. Mais non, Robert. Ne tiens pas de tels propos sur ta femme, voyons. De toutes les façons, j'ai décidé de ne plus passer la nuit dans notre chambre conjugale. Tant que je ne vois pas clair dans cette affaire.
Mais penses-tu que ce soit la meilleure chose à faire? Sans doute. J'en suis convaincu. Je le dis parce que cela pourra empirer la situation. Pourquoi ne pas l'amener voir un psychiatre? Pour qu'on lui fasse quelques examens? Parce qu'elle peut avoir subi quelques abus dans sa jeunesse et cela peut causer un traumatisme. Tu sais, parfois, les jeunes filles sont souvent exposées à des risques de maltraitance et j'en passe. À supposer que ce soit vraiment une maltraitance. Je suis son mari. Elle peut tout me dire. Je crois qu'elle a peur de perdre ta confiance. Ou elle a tout simplement honte. S'il te plaît, accorde-moi une minute. Oui, allô? Effectivement, c'est Monsieur Chenchu. Quoi? Où ça? Ok, j'arrive tout de suite. Qui a-t-il? Il faut qu'on y aille, le temps presse. Calme-toi, voir, et si tu commençais par me dire ce qui se passe? Ma femme a eu une chute, on l'a internée. Alors il n'y a plus de temps à perdre, allons-y. Non. Calme-toi, ma chérie. Tout va bien se passer. Pardonne-moi. C'est plutôt à moi de te demander pardon. Pardonne-moi, chérie. Ne dis plus rien, s'il te plaît. Ne dis plus rien. Allez, docteur Tala est là. Il va s'occuper de toi. Je ne veux plus que tu pleures, ok? Eh bien, Christine, il y a eu plus de peur que de mal. Mais ta tension est élevée. Alors tu devras faire plus attention la prochaine fois. Tu as la chance d'avoir un mari qui t'aime. Fais-lui confiance et tout ira pour le mieux, ok? Merci, docteur. Je t'en prie. Vos paroles me réconfortent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ça va aller. Ça va aller, hein? Papa, j'étais où? J'étais au travail, ma princesse. Allez, sèche-moi ces larmes-là. Tu vois, s'il t'arrivait quelque chose, je ne saurais même pas m'occuper de notre fille Lynn. Je te demande pardon. Eh bien, mon cher Robert, veux-tu me suivre? Allons dans mon bureau, s'il te plaît. Eh bien, Robert, l'état de santé de ta femme est stable, mais elle pourrait rechuter à tout moment. Mais de quoi souffre-t-elle exactement? Mon cher Robert, ta femme souffre d'un choc émotionnel dû à un événement qu'elle a subi dans son passé. Un choc émotionnel? Dû à un événement qu'elle a subi dans son passé? Je ne vois aucun événement en particulier. C'est vrai que nous avons eu un échange ce matin parce que j'étais fatigué de l'entendre prononcer le nom du Seigneur toutes les nuits depuis un certain temps sans qu'elle ne me dise clairement ce qui se passe. Écoute-moi, vieux frère. Les femmes sont très discrètes. Et parfois, elles ont honte de dire ce qui leur arrive. Il faut savoir les amener subtilement à parler. Et si elles ne veulent pas, faut pas les forcer. Je crois que Christine te parlera quand elle se sentira prête. Tu me comprends? Je te comprends parfaitement. Eh bien, là maintenant, je crois qu'elle a besoin de toi.
Tu ferais mieux de la rejoindre. Le temps que je vous prépare le banc de sortie. D'accord, ok. Ça va aller? Ça devrait aller. Merci infiniment, je t'en prie. Frère. Je t'en Merci. Prie. Merci. Je suis là pour ça. Robert, n'oublie pas, Christine a vraiment besoin de repos. J'y veillerai personnellement. Tu peux compter sur moi. Oui, allô, Hélène? Veuillez préparer le banc de sortie de Madame Tientieu. Oui, tout de suite. Ok. Oh mon Dieu, donne-moi la force. Je ne voudrais pas perdre mon mari. Encore moins sa confiance. Montre-moi la bonne voie, Seigneur. J'ai besoin de toi plus que jamais. Ne me laisse pas seule dans ce tourment, papa. La petite dort. Ah chérie, tu m'as fait peur. Ça va. Désolé. Plus jamais, je ne me mettrai en colère contre toi. D'accord? J'aimerais tant te donner le bonheur que tu mérites. T'inquiète pas. Tu me procures déjà beaucoup de joie. Il te faut un bon jus de fruits. Oui, tu as raison. Papaye ou orange? Orange. Je reviens vers toi dans quelques secondes. Tu bouges pas, d'accord? D'accord. Tu ne bouges pas, d'accord? Je te ramène ton jus. D'accord, mon chéri. Chérie? Bébé? Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est partie? Mon cœur! Chérie, j'étais à la chapelle. J'avais vraiment besoin de prier. Tu avais tellement envie de prier au point de me mépriser.
Ne dis pas ça, chérie. Si, il faut que je te le dise. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais prier? Tu sais très bien que je ne peux pas te refuser une telle demande. Chérie, je suis très perturbée en ce moment. Je ne sais vraiment pas ce qu'il m'arrive. Écoute, je comprends ce que tu ressens en ce moment, mais il va falloir que tu fasses un effort. J'ai l'impression que tu aimes bien quand je suis fâchée contre toi. Bébé, je te promets que je vais faire beaucoup d'efforts. Tout en espérant que je pourrai tout te dire dans un avenir prochain sans peur. Écoute, tiens, on va pas parler de ça maintenant. Je voudrais pas te mettre la pression. C'est quand tu veux, ok? Merci pour le jeu. Non, ma fille n'est pas coupable de quoi que ce soit. Elle a subi trop de tortures de la part de son père. Je n'aurais jamais dû l'abandonner. Oh mon Dieu, aide-la où qu'elle se trouve. Chérie, il est bien tard, il faut dormir. Veux-tu? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Joséphine, cesse d'entretenir le suspense et dis-moi plutôt ce qui se passe. Entretenir le suspense? Ça va faire bientôt 3 ans que ma fille est partie de la maison. Et toi, ça ne te dérange même pas. Je t'interdis formellement de me parler sur cet homme. Ta fille a fait son choix. Et je pense qu'elle est à l'aise là où elle se trouve. Gabriel, ta fille est dehors depuis 3 ans. Et tu ne te déranges même pas. J'espère qu'un jour Dieu touchera ton cœur. Et que tu iras demander pardon à cet enfant. De toutes les façons, c'est un sujet clos il y a longtemps. Je ne voudrais plus que ce sujet revienne sur la table dans ma maison. Mais mon Dieu, tu m'agaces à la fin. Je prie Dieu qu'il touche ton cœur. Vraiment, Gabriel, que Dieu ait pitié de ton âme et touche ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Désolé d'importuner, papa, mais j'ai eu de la peine à dormir cette nuit. Qu'est-ce qui t'en empêchait? Je vous ai entendu, maman et toi, avoir une grosse discussion. Écoute, fiston. Ta mère m'agace toutes les nuits. Elle n'a pas sommeil. Tantôt c'est ci qui la dérange, tantôt c'est ça. Un tas de choses qui n'ont pas de sens. Papa, je ne suis pas dupe. Je crois qu'aujourd'hui je suis assez majeur pour que toi et moi, nous puissions bavarder comme des amis. À quoi fais-tu allusion? Je crois que maman et toi parliez de Christine. Petit morveux, dégage de ma vue. Je vous interdis formellement de prononcer le nom de cette fille auprès de moi. Mais papa... Assez! Cette nouvelle n'est pas ma fille. C'est vrai, Fosso l'avait violée. Mais il voulait la prendre pour épouse. Mais enfin, on ne peut pas te mettre dans une rivière et tu as soif. C'est absurde. Regarde, fiston. Regarde ce que j'ai réalisé en 3 ans.
Et si cette fille était l'épouse de Fourso, on serait dans une villa. Papa. Donc pour toi, l'argent et le matériel surpassent les valeurs humaines? Épargne-moi de ta morale. Tu continues, je te maudis. Désolé, papa. Je voulais juste te faire comprendre que chacun peut commettre des erreurs. Mais revenir après sur des décisions incorrectes. Mais maman, que se passe-t-il dans cette maison? De quoi parles-tu? De ce qui se trame entre papa et toi. Je vous ai écouté cette nuit dans une discussion sans pareil. T'es là. C'est une longue histoire. Un jour, tu comprendras. Mais maman, pourquoi envoyer à demain ce qui est possible aujourd'hui? C'est au sujet de Christine, n'est-ce pas? N'insiste pas. Oh que si, maman. Je suis égaré devant vos disputes. C'est vrai que quand le coq commence à chanter, il dort dehors. Sur cette affaire, tu n'as droit à rien. Cette histoire concerne ton père et moi. Un point, un trait. Comme tu veux, maman. Mais je n'ai pas du tout apprécié la façon dont papa t'a parlé cette nuit. Écoute, ça ne te regarde pas. Au fait, où est ta sœur? Désolée, madame. Mademoiselle, regardez où vous mettez les pieds. Hein. Christine! Je suis désolée, je ne vous remarque pas. Mais c'est moi ta sœur! Arrêtez! Mais vous hallucinez ou quoi? Je vous ai dit que je ne vous connais pas. Christine, maman ne cesse de pleurer tous les jours. Elle souffre de ton absence. Je n'ai plus de famille depuis des années. Monsieur, je vous en... Elle, c'est ma grande sœur Christine. Assez! Ma femme dit qu'elle ne vous a jamais vu. Pourquoi vous insistez? Et cet enfant? Mais j'ai dit assez! Monsieur Robert Tientieu, amène-moi loin d'ici. Écoutez, mademoiselle, les gens se trompent tous les jours. Vous voyez dans quel état vous avez mis mon épouse? Désormais, tâchez de bien vous comporter, ok? Mais monsieur, je vous assure, elle, c'est ma grande sœur! Mais Christine, je suis ta sœur, mais monsieur, écoutez-moi, elle, c'est ma grande sœur, Christine! Monsieur, non! Christine! Christine, non, monsieur, Christine! Que se passe-t-il? Maman, j'ai vu Christine. Christine? Où ma fille? Je l'ai vue à la base de F pendant que je faisais mon sport. Comment va-t-elle? Maman, elle m'a pas reconnue. Je dirais plutôt qu'elle m'a reniée. Je sais. Elle est toujours fâchée. J'aimerais la voir pour lui demander pardon. Mais maman, tu comprends pas qu'elle veut plus rien savoir de nous. Elle a dit qu'elle n'avait plus de famille. J'aimerais la voir. Suis-toi qu'elle est mariée. Mariée? Oui, mariée. Et paraît-il, son mari doit avoir beaucoup d'argent. Bref, je suppose. Qu'il ait de l'argent ou pas. Mon Dieu! Je le remercie d'avoir pris ma fille sous son toit. Dis-moi, Eva, tu le connais, son mari? Pas vraiment, maman. Mais j'ai entendu Christine l'appeler Robert Tientieu, voilà. Robert Tientieu. Robert Tientieu? Oui, maman, Robert Tientieu. Ma fille, nous irons quelque part. D'accord, maman.
Figure-toi que j'ai croisé ma sœur aujourd'hui. Waouh! J'espère que cela t'a réjoui de revoir ta sœur. Pas vraiment. J'ai fait semblant de ne pas la remarquer. Tu deviens déjà folle ou quoi? Comment peux-tu régner ta propre sœur? Il le fallait. Tu sais, je n'ai pas encore digéré tout ce que cette famille m'a fait. Ce sont tes parents. Et les enfants n'ont rien à y voir là-dedans. Tu as sans doute raison. Mais il me faut du temps pour me remettre les idées en place. Et Robert, comment a-t-il réagi? Il n'a rien remarqué. Et c'est mieux ainsi. Il est où en ce moment? Il a un déjeuner d'affaires avec ses partenaires américains. Tu sais, il fallait absolument que je t'en parle. C'est pour ça que j'ai aussitôt accouru. Tu as bien fait, mais sois sage. Ok. C'est sans souci. Tu n'as rien à me dire? À propos de quoi? Mais de la scène de ce matin? Mon amour, des scènes comme ça, il y en a tous les jours. Tu sais, ces personnes-là, il suffit qu'ils sentent que tu as un peu d'argent, ils vont t'agripper dessus. Ok, je peux comprendre, parlant d'argent. Mais cette fille semblait bien te connaître. Oh, chérie, arrête. C'est juste une coïncidence. Moi, je la connais pas. Les gens se ressemblent partout dans le monde. Et puis, je ne veux même plus parler de ça. Ok, comme tu veux, chérie. Alors, dis-moi, ton déjeuner d'affaires avec tes partenaires américains, ça s'est bien passé? Très bien. On a été éblouissant. Je pense même qu'on va signer un très gros contrat dans les jours à venir. Ça, c'est très bien. Félicitations. Mon chéri est quand même un grand PDG. Grâce à toi. Mon père, si je vous ai fait appel, c'est à cause des petites situations de déséquilibre que je vis dans ma demeure depuis un certain temps. Avec ta femme? Bien évidemment, mon père. On dirait que Christine vit sur une planète et moi sur une autre. Nos idées, je voudrais dire nos pensées, sont discordantes. Dites-moi, mon père, comment peut-on vivre dans la même demeure avec une personne qui ne nous fait pas confiance? Mon fils Robert, ne te laisse pas emporter sous l'effet de la colère. Christine est venue me voir récemment, justement pour me dire ce qui ne va pas dans son subconscient, dans ses pensées, bref, dans sa vie. Tout ce que je peux te dire, c'est d'être un homme patient et tout ira. Car tout ce que notre Dieu fait est bon. Et à chaque situation, il faut savoir lui rendre grâce. Et prier sans cesse, car il a la solution à tous nos problèmes. Je suis d'accord avec vous, mon père. Mais seulement, la patience a des limites, le dit-on. C'est vrai, mais tu es un homme, malgré ton jeune âge, et tu connais les réalités de la vie. Alors, Robert, ne cède pas à la tentation, encore moins à la colère. Ok, c'est compris, mon père. Je ferai des efforts. Je compte sur toi. Merci infiniment pour vos conseils, mon père. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tout cela revient à notre Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Je vous raccompagne. Thank you.
Allô? Qui? Pour quel motif? D'accord, demandez-leur d'entrer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Prenez place, je vous en prie. Donnez-moi quelques minutes. Ok. Oui, allô? Non, il n'y a pas de problème. Ok, ciao. Mais vous, je vous connais. Oui, monsieur. Vous savez, la sagesse d'un vieil Africain dépasse celui d'un blanc. Quand j'ai expliqué à ma mère ce qui s'est passé hier, elle a tout de suite pensé à vous. Vous êtes un grand employeur dans votre secteur au Cameroun. Voilà la raison pour laquelle votre nom m'a pas échappé. Mais comment connaissez-vous exactement mon nom? Hier, quand ma grande sœur vous parlait, elle a dit Robert Tchentchu. Vous remettez encore cette histoire sur la table? Votre femme s'appelle Christine Nono, c'est bien ça? Hein? Mais ce n'est pas une raison. Tenez. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Christine vous a rien dit? Non, jamais rien. Elle a toujours été étrange. Elle fait des cauchemars presque toutes les nuits. Gardez votre calme, monsieur. Un jour, elle vous racontera toute l'histoire. Tout ce que je vous demande, je vous en prie, c'est de m'aider à rencontrer ma fille pour lui demander pardon. De quoi? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci, au revoir mon fils. S'il vous plaît, tenez ma carte. Appelez-moi en cas d'urgence, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bonsoir, chérie. Tu as passé une bonne journée? Bien, mais fatigant par moments. Bon, je vais te faire couler un bain. Après que tu te sois lavé et mangé, je vais te faire un bon massage. Ouvre la mallette. Prends la photo qui est dans la première poche. Comment as-tu eu ça? Christine, je suis ton mari ou pas? Il est temps que tu m'arrêtes tout ça et que tu me parles de ton passé. C'était un jeudi. Bonjour, ma fille. Bonjour, tonton. Comment tu vas? Bien, tonton, merci. Ton papa, il est là? Non, il est en déplacement au village avec maman. Quand est-ce qu'il revient, donc? Je n'en sais rien, tonton. Je peux entrer? Oui, tonton.
Bonjour, tonton. Bonjour, ma fille. Comment tu vas? Je vais bien, tonton. Et toi, t'es là, mon fils. Comment tu vas? Ça va, tonton. Et les affaires? Ça va mieux pour le moment. Tonton n'a pas préparé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous servir un jus de fruits? Avec plaisir, ma fille. D'accord. Moi, je vous laisse. Je vais au cours. Il était bien tard. Eva était allée se coucher. Mon petit frère était au cours de répétition. Je voulais bien aller me coucher moi aussi. Et par éthique du respect pour les aînés, je ne pouvais pas lui demander de partir. Et qu'as-tu fait, chérie? Mais, tonton, tu es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais Christine, il n'y a rien à ce que je te touche un peu, voyons. Tu t'entends parler? Tu sais Christine, je t'ai toujours beaucoup aimé et admiré. Mais j'attendais juste l'occasion pour te le dire. Hey! Tonton, tu délires ou quoi? Tu es l'ami de mon père? Imagine que mon père entende ce que tu es en train de vouloir faire là. Mais tu ne mettras plus les pieds ici? D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu devrais être partie depuis. Mais non, Christine. Tu dois savoir que je t'aime beaucoup. Hé, pardon! Et je peux t'offrir tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est même quelle malchance, ça. Non! 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 Aïe! Ah! C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Eva! Eva! Que s'est-il passé, Christine? T'es là? T'es là, que s'est-il passé? Mon Dieu, dis-moi ce qui s'est passé ici. Infirmière! Infirmière, je vous en supplie, dites-moi comment va ma sœur. Calmez-vous, elle est dans de très bonnes mains. Il est vrai qu'elle a perdu beaucoup de sang, mais elle va s'en sortir. Dites, votre sœur connaît le violeur? Cette racaille, c'est l'ami de mon père. Mais votre soeur entretenait une relation amoureuse avec lui? Non! Mais jamais ma soeur ne ferait une telle abomination. Il était comme un père pour nous. Mais maintenant, il est devenu notre pire ennemi. Tenez, il va falloir acheter ses médicaments. Nous avons déjà arrêté le saignement. Je vous en supplie, infirmière, sauvez ma sœur. Ne vous souciez pas pour l'argent, mon petit frère, allez chercher les sous. Je vous en supplie. D'accord.
Mais faites vite. D'accord, infirmière. Merci, infirmière. Je vous en prie. Grande sœur chérie, arrête de pleurer. Nous avons essayé de joindre papa par son téléphone portable. En vain. Et maman, non? Non plus. Calme-toi. Le médecin a dit que tu peux sortir. Mais il a également précisé qu'il y a des examens à faire. Et qu'on pourra porter plainte contre cette sale crapule. Écoute, si j'avais une âme, je la battrais de sang-froid. Oh non, Eva, ne dis pas ça. Si, c'est ce que méritent les sales types de son genre. Attendons plutôt que papa et maman reviennent de leur voyage. Bonjour, mademoiselle Christine. Bonjour, infirmière. Ça va mieux? Parce que votre borne de sortie est prêt. Vous pouvez sortir quand vous voulez. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Les douleurs sont finies, mais je suis très fatiguée. Calmez-vous. Calmez-vous. Arrêtez de pleurer, ok? Ça va aller. Ça va aller. J'ai dit que tu dois épouser Fosso. Et je ne voudrais pas que tu essayes de te justifier. Mais papa, cet homme m'a violé. Ah oui, il t'a violé. Et pourquoi l'a-t-il fait? Je n'en sais rien. Puisque tu n'en sais rien, tu dois tout simplement obéir. Tu es enceinte, n'est-ce pas? Oui, papa. Et tu penses que tu dois s'occuper de cet enfant? Gabriel, arrête d'importuner mon enfant. Après ce qu'elle a eu de la part de ton violeur d'ami, tu oses lui demander de l'épouser. Quel genre de père es-tu? Sois un peu raisonnable. Tu veux que je sois raisonnable? D'accord, je le serai. Mais sache que s'il faut se voir en prison, ta fille aura un enfant bâtard. Et je n'élève pas les enfants bâtards chez moi. De toute façon, j'en ai assez des inutilités. Je te donne 24 heures pour réfléchir. Après quoi, je vais prendre une décision par rapport à la tienne. Mais maman, pourquoi restes-tu calme? Tu ne vois pas que papa se comporte mal vis-à-vis de Christine? Tu vas vraiment m'excuser, hein, même si je ne suis qu'un enfant. Mais la situation qui prévaut me fait comme un trou dans l'estomac. Que veux-tu que je dise, mon fils? Mais que tu parles à papa! Tu vois bien que ton père est stupide. Maman, si tu continues de te comporter ainsi, tu n'auras jamais la parole dans cette maison. Et papa continuera de te dominer comme il le fait. Oh mon Dieu, ma fille a été violée et son papa fait comme s'il a gagné un trophée. Et Jésus, touche le cœur de Gabriel. Calme-toi, ma grande sœur chérie. Calme-toi.
Eva. Dis-le-moi. Pourquoi papa me déteste tant? J'ai été violée par son ami. Et tout ce qu'il trouve a dit, c'est que je vais l'épouser. Écoute, cette situation me scandalise. Je suis muette face à elle. Arrête de pleurer. Parfois, j'ai l'impression qu'il n'est pas mon père. Christine, n'extrapole pas, voyons. Je ne dis que la vérité. Il ne me traite pas de la même façon qu'il vous traite. D'accord, d'accord. On oublie cette situation, ok? Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire de cette grossesse? L'enlever? Jamais je ne commettrai un tel acte ignoble. Dieu même ne me le pardonnerait pas. Et comment comptes-tu élever cet enfant? Tu ne vas pas arrêter les études, je suppose. Sans doute. Il faut que je trouve du travail. Mais jamais, je te dis au grand jamais, je ne ferai ce que papa me demande de faire là. Vraiment, Fosso, je suis dépassé avec cette situation. Pour tout te dire, je suis même embarrassé. Tu dois tout faire pour la convaincre d'abandonner cette procédure. Ma réputation est en danger si jamais cette affaire était envoyée devant les autorités. Ne te fais pas de soucis, mon ami. J'ai fait tout pour la persuader des enjeux. Je l'ai même menacé de la renvoyer de la maison si jamais elle refusait de devenir ta femme. C'est une bonne chose. Tu sais bien, j'ai beaucoup de chantiers pour toi le mois prochain. Et si une procédure était ouverte contre moi, elle sera annulée. Avec un peu d'argent, j'achète ma tête. Tu sais bien ce qu'il veut dire. Je te comprends très bien. C'est pour ça que je mets tous les moyens pour qu'elle accepte. Ok. Je te fais confiance. Maman, pourquoi tu ne parles pas à papa? De quoi veux-tu que ta mère me parle? S'il te plaît, papa. Il n'y a pas de site spécifique qui tienne. J'ai dit que tu dois oublier cette envie de vouloir porter plainte. Fosso est riche et il a le pouvoir. Si tu te maries avec lui, tu ne manqueras de rien. Et en plus, tu auras tout un monde à tes pieds pour te servir. Réfléchis bien, Christine. Papa, tu me déçois. Tu préfères l'argent à ta propre fille? Oulala! Que penses-tu? L'argent, c'est le pouvoir. Et avec l'argent, on peut tout acheter. Ta mère ne t'a jamais dit ça? On peut tout acheter, oui. Mais pas une vie humaine. Assez! J'en ai marre de me justifier avec toi. Je t'ai donné 24 heures pour réfléchir. Et maintenant, j'attends. Papa, jamais je n'épouserai cet homme. Ah! Tu me tiens tête. Christine me tient déjà tête. D'accord. Comme il en est ainsi. Sors de ma concession et ne remets plus les pieds. Papa! Non, papa. Tu ne peux pas me faire ça. Si! D'ailleurs, pour ta gouverne, tu n'as jamais été ma fille. Quoi? Tu peux demander à ta mère. Je dois être en train de rêver. Oh mon Dieu. Maman. Maman. Dis-moi que c'est pas vrai. Maman. Dis-moi que c'est un rêve, maman. Mais qui est mon père? Maman t'a posé une question et tu réponds à sa question, maman. Les enfants. Oh, ne détourne pas ma question. Réponds-moi sincèrement. Qui suis-je, maman? Et qui est mon père? Je n'ai jamais voulu que tu saches qui est ton vrai père. Je n'avais que 15 ans.
Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous faisions la classe de troisième. Nous nous aimions tellement. Un jour, nous avons fait l'amour. Dans notre salle de classe. Et tu es entrée. Tu étais le fruit de notre amour. Et nos parents n'ont pas voulu que nous restions ensemble. Ils l'ont éloigné. Ils l'ont envoyé très loin de moi pour nous séparer. Mes parents ne pouvaient pas faire pareil puisque j'étais leur fille unique. Alors, ils étaient obligés de me garder. Parce qu'ils m'aimaient. Et toi aussi, ils ne voulaient pas te perdre. C'est là où Gabriel est venu me chercher, me demander en mariage. Mes parents m'ont obligé de l'épouser. Oh, ma tendre maman. J'ai aimé ton papa et il m'a aimé. Et il t'a aimé, ma fille. Mon père n'a donc jamais cherché à connaître mon existence. Si, mon enfant. Il a essayé plusieurs fois de te rencontrer. Et j'ai refusé. Mais pourquoi, maman? Parce que je ne voulais pas qu'il gâche notre famille. Qu'il brise cet amour que nous avions déjà. Tu avais déjà des frères et sœurs. Un papa qui t'aimait aussi. Maman, je veux connaître mon père. N'as-tu pas un contact? N'as-tu pas ses coordonnées, maman? La dernière fois que moi je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était en Banga. Je veux partir de cette maison dès ce soir. Ma fille, j'ai essayé de convaincre Gabriel de te laisser rester à la maison. Il a refusé, il a même menacé de me chasser de la maison. Maman, je n'ai pas assez de temps. Donne-moi juste ce que je t'ai demandé et je partirai pour toujours de cette maison. Comme tu insistes. Tiens. Merci, maman. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Je t'aime, mon enfant. Fais attention à toi. Dieu t'accompagne. J'espère que ta fille est déjà partie. Elle vient juste de partir. C'est mieux comme ça. Et qu'il soit très clair. Je ne veux plus que le nom de Christine soit mentionné dans cette maison. Et tu le diras à mes enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me regarde pas avec les yeux de facochère. C'est vrai? Eva était la son issue de mon sang. J'espère que Dieu te pardonnera un jour. Parce que tu es un vrai démon. Je maudis le jour qu'on s'est rencontrés. Victime du viol, oh, victime du viol. Victime du viol, faut briser le silence. Victime du viol, oh, victime du viol. Car le viol entraîne de graves conséquences. Jeune fille, belle, intelligente et ambitieuse. Qui voyait la vie tout en rose. Mais comme tout attente, sa vie a basculé. Un jeudi, son paradis s'est transformé en enfer.
violée par un homme sans scrupule. Depuis ce jour, elle souffre dans sa chair. Il lui a pris ce qu'elle avait de plus cher. Elle se sent souillée, humiliée et blessée. Victime du viol. Oh, victime du viol. Bonjour, madame. Comme cette fille ressemble étrangement à Martin. Bonjour, ma fille. Que voulez-vous? Tu es allée fatiguer, ma fille. Viens, entre. Vous sortez de loin, il paraît. De Douala. Et que faites-vous en Banga? Je suis à la recherche d'une dame au nom de Mamado, qui serait la grande sœur de mon père. La grande sœur de ton père? Ma mère m'a dit que je vais la trouver ici en Banga. Et comment s'appelle-t-elle ta mère? Joséphine Ewane. Épouse Kamdem Gabriel. Joséphine. Mm-hmm. Tu serais la fille de Martin. Il semblerait que mon père s'appelle Atangana Martin, professeur de mathématiques au lycée de Mbanga. Madame, je vous ai offensé. Non, ma fille. Mais pourquoi vous pleurez donc? Je suis Atangana Madeleine, Jimba Mado. Je suis la grande sœur de ton père. Tout ce que le Seigneur fait est merveilleux. Merci, mon Dieu. Ma tante. Mais où est-on, mon père? Ma tante, j'ai dit quelque chose de mal. Oui, de très mal. C'est à cause de toi que tout ceci est arrivé. Sors et va-t'en loin d'ici. De t'en aller, que tu n'étais pas bienvenue ici. Ma tante, je t'en prie. Je n'ai nulle part où aller. Je savais que c'est pour cette raison que tu es ici. Ça ne me surprend pas. C'est comme ça que vous comportez les jeunes filles d'aujourd'hui. Non, ma tante. Je ne suis pas comme ça. Mamadou. J'ai été violée par l'ami de celui que je croyais être mon père. Il a pris ma dignité et il m'a laissé à cette maman de bâton, ne me chasse pas. Maman, ne me chasse pas. Oui. Calme-toi, ma fille, calme-toi. Je suis vraiment désolée. Calme-toi, ma chérie, viens. Non.
Ton père sortait d'un voyage à Douala dans le but de tenter une énième fois de convaincre ta mère de lui permettre de te revoir au moins une fois. Mais hélas, ta mère était toujours en colère et l'a repoussé. Ton père rentrait meurtri et abattu. Il ne voulait plus rien faire. Il ne voulait plus travailler. Un jour, alors que je me rendais dans sa chambre pour lui apporter son repas, il était étalé sur son lit raide. Ton père est mort de chagrin. On a découvert à l'aide de l'autopsie indigène qu'il est mort suite à un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est tombée? Il n'y a personne ici. Elle respire encore. Et en plus, elle est enceinte. Elle saigne. Il faut qu'on l'aide. Il n'y a personne. Il faut rapidement l'amener à l'hôpital. Il ne faut pas qu'elle perde son enfant. Oh non! Allons-y, madame. Soyez courageuse. On y va. Seigneur. Docteur, quelle est la situation, s'il vous plaît? Écoutez, monsieur. Votre femme a perdu énormément de sang. Ce n'est pas ma femme, docteur. Pardon, vous dites? Non, ne vous occupez pas de ce que je dis. Vous disiez qu'elle a perdu beaucoup de sang? Comme je disais, votre femme a perdu énormément de sang. Il va falloir lui faire immédiatement une transfusion sanguine. Auquel cas, on la perdra, elle et le bébé. Docteur, s'il vous plaît, faites ce qui est en votre pouvoir pour les sauver. Je suis là. Vous pouvez même me prélever du sang. Vous pouvez même en prendre autant que vous voulez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur? Robert Tientieu. Monsieur Robert Tientieu, comme vous pouvez le constater, nos hôpitaux ont vraiment besoin de sang. Mm-hmm. Et nous avons besoin des citoyens comme vous pour sauver des vies. Nous allons donc commencer par faire quelques analyses afin de vérifier votre compatibilité. Ensuite, le prélèvement suivra, ok? D'accord, docteur. Je suis totalement à votre disposition. Merci. Voilà donc l'histoire de ma vie avant toi. Tu sais, ce fameux jour me hante. Et je ne savais pas comment te parler de ma famille, sans toutefois aborder ce jour fatidique.
Écoute, mon amour. Calme-toi. Je crois qu'il va falloir remettre cette histoire sur la table des autorités compétentes. Non, chérie. Ta personnalité sera bafouée. Et personne ne me croira. Non, personne. Mais par contre, je me sens libérée. J'ai l'impression qu'on m'a ôté un lourd fardeau des épaules. Tu sais, je crois en Dieu. Et j'ai foi en lui. Je sais qu'il ne m'a pas abandonnée. Mais lui seul est le seul grand juge. Il saura rendre justice. J'ai l'impression que je ne te connais pas. On dirait que je te rencontre pour la première fois. Enfin, je peux vivre en paix avec ma femme, sans mensonge. Viens dans mes bras, Madame Tintu. Mon bébé. Oui. J'ai un service à te demander. Je t'écoute. Tu sais, j'ai un seul désir. Mais... Et... Quoi, Christine? Tu es ma femme ou pas? Si. Et alors? Tu sais très bien que tes désirs sont des autres, ma jolie. Vas-y, parle. Bonjour, monsieur Foto. Bonjour. Que me vaut l'objet de votre visite au point où vous entrez chez moi sans autorisation? Je viens de la part de la banque. Tenez. Quoi? Mais que signifie tout ça? Aucune idée. Vous avez 48 heures pour libérer cette maison. Bonne journée, monsieur Fosso. Qu'est-ce que tout ceci m'a apporté? Je suis devenu un monstre auprès de ma famille. Pourquoi sacrifier ma famille pour les biens matériels, de l'argent, de la convoitise? Même si Christine n'est pas le fruit de mes entrailles, elle reste néanmoins ma fille, puisqu'elle a grandi en ne connaissant que moi. Je me dois de revenir sur terre. Je dois lui demander pardon. Il faut que je la retrouve à tout prix. Joséphine. Ma chérie. Mes enfants. Je suis vraiment désolé pour mon comportement dans cette maison. Je ressens énormément tout le mal que j'ai infligé à votre sœur, ma fille, malgré que je ne sois pas son géniteur. Je me suis accroché à l'argent, oubliant ainsi les valeurs intrinsèques et morales. J'ai accepté le faux, en encourageant les êtres malsains de continuer à détruire la vie de mes enfants. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Gabriel. Oui, chérie.
Tu es mon mari et le père de mes enfants. Quand j'ai accepté de t'épouser, j'avais juré de passer le reste de ma vie auprès de toi. Et je n'ai jamais failli à mon devoir de femme. Tu es pardonnée. Merci, chérie. Papa. Oui. Nous n'avons aucun souci ni de problème. Tu es demain notre père. Papa, je suis ton unique fils. Et comme tout garçon, j'aimerais que tu sois mon modèle. Fiston, je te le promets et je le serai. Waouh! Vous êtes toutes belles. Et toi, mon fils, tu es très élégant. Où alliez-vous? À une spéciale invitation, si tu veux. Tu peux nous accompagner. Bien sûr que oui. Mais en attendant, laissez-moi d'abord mettre ma dernière valise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, autorité administrative, autorité religieuse, chers invités, merci de m'avoir honoré de votre présence dans le cadre du lancement officiel des activités de l'association Stop Viol, dont je suis la présidente fondatrice. Nous avons reçu l'appui du Premier ministre chef du gouvernement, de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Union africaine, ainsi que du ministère de la promotion de la femme, du ministère de la santé et du ministère des affaires sociales. Je tiens à leur témoigner ma reconnaissance indéfectible. Un adage africain dit ceci: tant qu'un crapaud n'est pas tombé dans l'eau chaude, il ne peut pas faire la différence entre l'eau chaude et l'eau froide. Ainsi pour dire, mon idée de... Pardon, désolé, je disais tantôt, mon idée de mettre cette association sur pied vient du fait que j'ai été victime d'un viol il y a de cela 3 ans, jour pour jour. Cet acte ignoble m'a traumatisée tout au long de ces dernières années. Je n'ai pu trouver la force et le courage d'avancer que dans la prière. Et au soutien du Père Ndjok que voici. Justement, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, est toujours à l'écoute de tous ses enfants. Merci, mon Père. Sois béni, ma fille. Amen. Ainsi qu'à l'amour indéfectible que me porte mon chéri que voici, Monsieur Robert Tienju. Et je voudrais faire entendre au monde que je lutterai sans faille et avec fermeté contre ces êtres malsains sans foi ni loi qui oppriment la jeunesse féminine. Les statistiques sont énormes et c'est désolant. Une femme sur 3 est violée par minute dans le monde. Nous voulons combattre et défendre ces personnes sans force. Bien entendu que nous sommes soutenus par les pouvoirs publics qui nous accompagnent. Chers parents, protégez vos enfants pour que de tels actes odieux ne soient plus perpétrés. Aujourd'hui, le monde doit nous écouter. Il est temps que de telles exactions cessent. Que tu sois africain, européen, asiatique, ce combat te concerne. Je voudrais faire savoir que rien n'est plus important que la paix, le pardon, l'amour. Il faut savoir pardonner sans limite et sans restriction
même quand on a raison. Je voudrais dire à ma famille ici présente que je regrette la distance qui s'est créée entre nous il y a de cela quelques années. Je voudrais vous faire savoir que je vous pardonne. Maman, je te pardonne. Papa, je te pardonne. D'ailleurs, où est mon frère? Pourquoi il n'est pas là? En chemin, on l'a appelé à l'université, ma fille. Nous étions en train d'arriver. Il s'excuse. Faut briser le silence. Victime du viol.